Vénétienne Snes, bonsoir. Demain, ici même, les artistes viendront d'Amérique du Sud, on le disait, avec des rythmes de chamamé, de cumbia mixés avec l'électronique. Ce sont des rythmes qui vous parlent aussi, ou vous êtes à l'écoute de ces musiques traditionnelles? So tomorrow night, artists will be coming from South America and performing cumbia and music like that. Do this rhythm kind of speak to you? Sure. And maybe it does. I don't know. In which way? I don't know. I'm not sure what it says. Maybe it's speaking to me in some language that I'm unfamiliar with. Okay, donc peut-être que il n'en sait rien. Peut-être que ça lui parle dans un. I'm not even sure what that is. So, is that what we just listened to? Yeah. Oh, that was cool. I liked playing the xylophone to it. Okay, donc oui. That was good. Donc oui, ouais, c'était chouette et c'est cool de jouer du xylophone dessus. Vénétienne Snes, donc une référence, un des inventeurs du breakcore, même s'il ne s'arrête pas à ce genre, né dans les années 90, musique classique, jazz, électronique, ambiante, jungle, des structurations, expérimentations chaotiques ou harmonieuses dans la galaxie Aphex Twin, un artiste très prolifique, un peu moins entre 2006 et 2014. Vénétienne Snes nous revient cette année avec un nouveau projet sur Planet Mew, sa maison mère, en collaboration avec son propre label TimeZig, Traditional Synthesizer. Music, c'est le nom de cette nouvelle production. Aaron Funk, aka Vénétienne Snes, produit et joue des titres sur un synthétiseur modulaire qu'il a bâti lui-même, avec lequel il façonne chaque son qu'il produit de manière méticuleuse. Sur son album Aucune Post-Production, chaque titre a été pensé comme un objet accompli puis déconstruit dans le but de développer des structures interchangeable, j'imagine qu'on va en reparler, entre les morceaux. Vénétienne Snes est un compositeur et DJ canadien basé à Winnipeg. On va parler d'ailleurs de Winnipeg pour commencer. Ça nous fait penser aux Indiens d'Amérique, Winnipeg. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet endroit? Nous dire peut-être en quoi cet endroit a eu un impact sur la musique que vous faites ou pas d'ailleurs. So yeah, Winnipeg evokes Native Americans. Can you tell us about this place and maybe how it did have an impact on your music or not? Winnipeg evokes what? Native Americans. Native Americans? Yeah. Oh, the better term for that would be Aboriginal Canadian people, because Native Americans are from the United States. Yeah, there's a lot of Aboriginal folks in Winnipeg, and they're pretty cool. Donc pour dans le cas du Canada, il vaudrait mieux dire des aborigènes du Canada plutôt que des Indiens natifs, ce qui serait des Indiens américains, des USA, et il y en a beaucoup à Winnipeg, ils sont plutôt cool. Et Winnipeg, est-ce que c'est un endroit qui l'a inspiré? Did Winnipeg inspire you in a way? Did it impact on your music? Sure, I guess. I guess like any environment you're immersed in long enough is going to influence you in every kind of different way. I guess it's a really cold place in the winter time, so a lot of people sort of stay indoors and make art or do other things. I guess it gave me a lot of time to just isolate and be a weirdo. Donc oui, comme tout endroit dans lequel on est plongé, comme tout environnement dans lequel on est plongé longtemps, ça a forcément une influence. Et il fait très froid en hiver, donc les gens ont tendance à rester à l'intérieur pour faire de l'art ou autre chose. Et ça lui a donné le temps de s'isoler et de devenir quelqu'un de bizarre. À la vue de certains visuels qui vous accompagnent, on peut se demander si vous vous intéressez à la fusion entre l'humain et la machine. Cette fusion, c'est peut-être celle qui vous accompagne aussi sur scène. Est-ce que vous arrivez est-ce que vous avez l'impression de fusionner finalement avec vos machines sur scène ou ailleurs? C'est l'impression que ça donne quand on vous voit sur scène un peu. So yeah, looking at your artworks, we can see that you've been interested in the fusion of animals and human and machine. We can see that on stage. And is it something that you try to, that interests you and that you try to pursue? Yeah. Can I just play an xylophone concert? That would be nicer. Oui, est-ce qu'il peut jouer du xylophone? Ce serait mieux. Bien sûr. Sounds like Christmas time. Christmas time for goats. For goats? Christmas time for goats. Christmas time for goats. C'est Noël pour les chèvres.
Thank you. That was my whole concert. It was pretty nice, wasn't great. It? Great. Yeah. Cool. Alors, Aaron Fong, donc Venetian Snares, comment vous êtes venu l'idée de construire cette machine, ce synthétiseur modulaire? So how did you get the idea to build this big machine, this modular synth you were using on stage? Oh, okay. I don't know, I guess I got into modular synths maybe about more 10 or more years ago. And I don't know, I guess like with my last record, I decided to put some Eurorack stuff together to make a drum synth. But that just sort of ended up getting mixed with all my homemade sort of modular synth stuff. And then now I'm kind of doing something really different with it from my last record. I'm trying to invent this music that I can be really improvisational with, that's sort of like, it's a little bit, maybe not even music, just sort of like sound experience. I don't have any melodies or bass lines or anything. It just sounds like insanity juice being poured into your ear, and then you can drink it with your ear mouth and get drunk. You might get sick after, though. I'm not sure. It depends on your tolerance. Donc ça fait plus ou moins 10 ans qu'il s'intéresse aux synthétiseurs modulaires et lui est venu l'idée un jour d'enchaîner des Eurorack ensemble pour construire une boîte à rythme qui s'est mélangée avec tous les synthés artisanaux qu'il avait déjà. Et maintenant, en fait, c'est différent de ce qu'il faisait dans son dernier album et il essaye d'inventer une musique qui laisse vraiment la place à l'improvisation, qui finalement relève même pas de la vraie musique, mais plus de l'expérience sonique. Il n'y a pas de mélodie, il n'y a pas de ligne de basse, juste du jus de folie qui se déverse dans vos oreilles et que vous pouvez boire avec votre bouche après. Si vous êtes prêt, ça peut vous rendre malade, ça dépend du seuil de tolérance. Vous faites référence à la tradition en ce qui concerne la musique synthétique avec cet album. Ça veut dire quoi pour vous, tradition et musique synthétique? What does tradition in synthetic music means for you? Last album. Oh, for my last album, I guess I thought the title was really funny, because like, what is traditional synthesizer music? Because it's a really sort of newer form of music. But I don't know. I guess it could mean like with those tunes, I was making songs, where it's kind of taking all these new and old synthesizer ideas and making music. Donc le titre en soi était drôle et c'était plus une idée contradictoire de que cette musique est finalement nouvelle et avec tous ces petits bouts de chansons, toutes ces mélodies, elle a réussi à les structurer pour aller vers quelque chose qui soit à la fois nouveau et vieux. Est-ce que vous avez l'impression que cette musique synthétique, elle dit quoi de plus qu'une musique acoustique, par exemple? Est-ce que vous avez l'impression qu'elle dit des choses en plus? Do you feel like synthetic music says more than acoustic music? No. No? So what does synthetic music say? It says whatever you'd like it to say, but sometimes it says things that surprise you. Like you tell it something and then it says something completely different. I think that's what's interesting about it. Whereas like, if you're playing a guitar or something, you know what it will do. You're like, okay, I'm playing this note. But if you send like a bunch of different voltages at, a synth parameter, it's gonna do something surprising. Or it might do one of a few different things you've said it could do. Or something totally different. It's just, it's got a nice mind of its own. So it's cool. It's like having a little sound friend that just surprises you all the time with sound presence.
Donc ça parle, ça dit plus ou moins ce qu'on veut entendre, mais parfois ça peut vous surprendre dans le sens où il y a un élément d'inconnu. Quand on joue de la guitare, on sait ce que ça va faire, on sait où on va. Par contre, quand c'est différents voltages, un paramètre de synthétiseur, parfois on est dans l'inconnu, on ne sait pas où ça va aller. Et ça peut être comme une sorte de pote synthétique qui te dit ce qui va arriver, mais parfois qui te surprend, qui te fait des blagues. Et c'est cet élément d'inconnu qui est intéressant. Comment est-ce que vous avez l'impression d'avoir évolué, comment votre regard a évolué depuis le milieu des années 90 jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé dans votre regard sur la musique? What has changed since the mid-90s in the way you perceive music? Since the 90s? Well, I guess I have... Well, since ever. So much... I guess I started making electronic music in the very early 90s. So I have all the experience of doing that since then. And I don't know, you know, obviously your work methods can change because, you know, sort of in the 90s, like you couldn't really make music on a computer because it wasn't powerful enough. And then sort of by the late 90s, you could. And then now you could just make an album on your telephone if you wanted. So it's really like now you can go back and be like, okay, I'm going to use this crappy old Atari computer to make an album, or you could use your MacBook Pro or whatever you like. So I guess I, you know, I can't remember the question, actually. I'm just talking about different technology since the 90s. It doesn't really make sense. There was PlayStation 1. That's quite an answer, actually. I have PlayStation 4 now. Donc il a quand même le bagage d'avoir commencé au tout début des années 90, de l'avoir fait, d'avoir pratiqué à cette époque-là où c'était beaucoup plus compliqué de faire de la musique. On pouvait pas en faire avec un ordinateur, les méthodes de travail ont vraiment changé. Au début des années 90, les ordinateurs n'étaient pas assez puissants pour pouvoir faire un album dessus. À la fin des années 90, c'était le cas. Maintenant, on peut faire un album sur son téléphone, les artistes sont libres soit de retourner vers des vieux ordinateurs pourris comme des Atari, soit de faire des choses sur leur MacBook. Et effectivement, c'est plus les méthodes de travail qui ont vraiment changé, qui ont vraiment évolué et qui paraissent plus pratiques. Une avant-dernière question, le fait de faire apparaître votre voix dans les dernières compositions, ça vient de quoi? C'est la volonté d'humaniser, de dire des choses de façon plus intelligible ou, The fact that you make your voice more present in your last albums, what will does it come from? Is it to make you more intelligible? My voice, like my singing voice? Your voice, your whole voice as an instrument, singing or whatever. Oh, okay. I mean, yeah, I guess, yeah. For a while I was making lots of tunes where I was singing or saying things, I guess because I had things to say and I was the only person there to say them, so that's pretty much all there is to that. So, I mean, I don't know, I guess in the past I've gotten into like sampling people saying things or, you know, chopping up things to say new things. But really, it was just, you know, the things I wanted to say were coming from here, so I just said them myself. En fait, ça vient du fait que pendant un moment, il utilisait sa voix parce qu'il sentait qu'il avait des choses à dire, et sinon, il a samplé des voix d'autres gens qui disaient des choses, ou soit qu'il avait redécoupé, rééchantillonné pour qu'ils disent d'autres choses. Mais l'idée de départ, c'était de, avec sa propre voix, du moins, de dire des choses qui viennent du cœur, des tripes, et qu'il est le seul à dire. Dernière question. Aaron Funk, aujourd'hui, 19 avril 2016, comment vous vous projetez dans l'avenir avec votre musique? So today, Aaron Funk, on the 19th of April, how do you see the future of your music? How do you project into that? I hope I don't have that answer. I hope I'm onto something that completely surprises myself, you know, after this.
I'll probably surprise myself while I'm playing today because I don't even know what it's going to sound like. It's just going to sound really messed up and crazy. So I'm pretty excited about that. Il espère ne pas avoir vraiment de réponse et ça reste une surprise pour lui. Et même le set de ce soir, ce qu'il va jouer, reste quelque chose d'assez chaotique et surprenant. Donc il est content et finalement, ouais, c'est pas. Il n'y a pas vraiment de réponse à ça, sinon qu'il veut continuer à être surpris et qu'il ne sait pas vraiment où il va. Le chaos, c'est la vie. Vive le chaos. Venetian Snares sur la scène du club après extrême précaution. Merci beaucoup. Thank you very much.